très content, vraiment très très heureux d'être ici. Je retrouve le sourire, je l'avais plus trop ces derniers temps, mais je suis très heureux. Ouais, il y a un très beau challenge. Après, voilà, ça sera pas facile, mais en tout cas, on se donne les moyens pour. Que ça soit, voilà, que ça soit sur ou en dehors du terrain, on est très concernés. Et c'est un long marathon, la Ligue 2, on connaît, donc j'espère, pourquoi pas, une troisième apothéose pour moi. L'avantage, c'est qu'il y a les matchs qui s'enchaînent. On sait que ça va pas être facile. Les deux équipes savent que ça ne va pas être facile. Mais nous, en tout cas, on a hâte de jouer ce match. Et de, voilà, comme j'ai dit, de vraiment faire plaisir à nos supporters. Et puis également à nous-mêmes aussi, de pouvoir nous rattraper du résultat qui a été frustrant mardi. C'est le match qui m'a fait croire en ce groupe à une possible accession parce que voilà, sur notre façon de jouer, notre cohérence dans notre jeu, ben, voilà, je me disais que rien ne pouvait nous arriver si on était à ce niveau. Et c'est un match, voilà, qui je pense a servi pour la suite de la saison. Ça aussi, Damien m'avait dit, allez, tu rentres, tu marques. C'est ce que j'ai fait, je suis rentré, j'ai marqué aussitôt. Comme je dis, c'est la confiance qu'ils nous donnent, les coachs. Quand tu rentres sur le terrain, tu as envie de te donner pro aussi. Donc, voilà. Si y a un moment que je vais retenir, je pense que ça sera peut-être Ajaccio, parce que c'est vraiment le match où clairement je pense pas qu'on mérite. Voilà, marqué à la dernière minute comme ça, super but de Touze. À ce moment-là, c'est vrai que c'est une délivrance parce qu'on sait que c'est trois points très 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 importants. J'ai direct fêté ce but avec tout le staff et tout le groupe. C'était vraiment un groupe tout entier et c'est vrai que c'était très important. Ça c'est un peu la qualité d'un champion aussi, de savoir être dos au mur tout un match. On est dans un jour sans, on n'arrive pas à enchaîner, on n'arrive pas à se créer certaines occasions, mais à la 92e on arrive à marquer et gagner ce match. Et ça c'est des moments qu'on peut pas oublier, parce que voilà, déjà gagner un match à la dernière minute, c'est fou. Mais en plus de ça, voilà, quand on est premier et qu'on veut rester premier, c'est top. C'est un miracle, parce qu'on n'a pas été à la hauteur du match, on n'a pas été à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire. Pour autant, on avance. Et je crois que c'est aussi le groupe. Donc à un moment donné, c'est ce groupe qui avance ensemble. Et voilà, je tenais à vous féliciter malgré tout. Mais il faudra faire beaucoup, 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 beaucoup mieux. Parce que si on se contente de ça jusqu'à la fin, ça va être très compliqué, les gars. On peut pas se contenter de ça. On peut pas. C'est impossible. Mais des fois, il y a le destin. Et le destin, c'était lui, aujourd'hui. Et je tenais à... Pour toi, je pense que le groupe, il a gagné. C'est le destin de là-haut. Ok, les gars? Allez. Ouais. Que c'est pas facile de gagner des matchs, que tout le monde perd des points, gagne des points. Il reste 10 matchs, il va falloir être le plus
concentré et concerné possible pour pouvoir atteindre les objectifs que les joueurs, que le club et que nous-mêmes on s'est fixés. Je vois tout dégringoler sur ce match, il y a tout qui se passe mal en fait, en quelques minutes. C'était une frustration incomparable, on dit c'est pas possible.